agitarono le ore. Buongiorno spagnolo. Parfois je vous envie, Fabrizio et toi, vous êtes libres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Arrête, ça me gêne beaucoup. On y va, Alex? Oui. Oh, Michael. Notre produit phare. Regardez, c'est un travail d'application de dentelle qui est magnifique. Si vous désirez, je vous emmène à New York. À New York? J'adore l'idée. À notre départ à New York. Excusez-moi, j'ai que ça. Bah oui, mais vous voyez pas que je suis enceinte? Et là, débarque une connasse enceinte. Mais ça va pas, si j'attendais un bébé. Si j'attendais un bébé, on n'en veut pas de bébé que je sache. Oh, tu m'emmerdes, Fabrizio. Tout le monde est toujours très content pour moi, sauf moi. New York, waouh, c'est génial. J'en ai marre d'avoir des couilles pour deux. Pensez-vous qu'il est facile pour une femme qui a des couilles de faire des enfants, par exemple? Tu veux plus y aller? Je réfléchis, c'est tout. Comment on va bien pouvoir t'appeler? Je me pose des questions. Des questions sur quoi, Alex? Sur mon désir d'avoir un enfant. C'est un garçon. Oui. Et toi, tu fais quoi, là? Rien. Je suis bien trop conne de rester avec un mec comme toi. Je suis prêt à vous héberger quelques jours dans mon grand appartement. Pour l'instant, je vais juste vous laisser payer l'addition. Qu'est-ce qu'on fout, là? Avec un enfant. Non, je vous emmerde, garçon. J'aime toujours pareil. Une femme sans enfant se sent forcément inutile. J'ai le baby blues. Et je suis même pas enceinte.